La nouvelle Clio, c'est un SUV électrique, un SUV familial, un SUV urbain. On reconnaît des lignes plutôt douces. J'aime beaucoup le travail fait sur le relief sur les côtés, par exemple. C'est assez classique et pourtant, il y a des petites touches de bleu, des petites touches de design justement qui apportent un petit peu de modernité, un petit peu de sportivité à l'ensemble. À l'arrière, un très beau coffre 451 litres. Les sièges se rabattent très facilement. Parlons un petit peu l'électrique. Grosse batterie, recharge grosso modo à la maison, vous comptez 12 à 14 heures. Et si vous faites une recharge sur une borne rapide, comme vous pouvez le voir ici avec la connectique spécifique, vous pouvez facilement la recharger en une heure. Une heure et demie vraiment si c'est un petit peu en dessous. En tout cas, c'est simple, efficace et surtout agréable. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'intérieur. Au niveau ergonomie, je n'ai pas grand chose à dire, on est chez Kia. Donc, c'est standard, c'est assez simple à trouver, l'emplacement des boutons et autres. Mais par contre, regardez-moi l'intérieur, c'est tristounet. C'est vraiment dommage parce que de l'autre côté, les sièges sont sympas. On a une belle esthétique, ils sont confortables. Un petit peu trop dur, mais ça c'est parce que moi je suis un petit peu sensible. Il y a des aménagements, des rangements un petit peu partout. Et voilà, comme par exemple cet accoudoir central, pour les passagers c'est quand même génial, surtout quand on a des enfants. Le système embarqué, c'est du basique. On a des informations supplémentaires sur la voiture électrique, mais c'est pas non plus ultra poussé. J'aurais aimé un peu plus d'accompagnement, par exemple. Là, je fais un trajet en GPS, on me dit exactement, allez-vous arrêter là pour recharger. Enfin, des choses qui me suivent plus. Puis non, pour le reste, TomTom Live, TomTom Traffic. Des services très pratiques et en général payants. Et comme toujours chez Kia, ici, c'est offert sur plusieurs années. Parlons maintenant de la conduite. Alors, je vais commencer par le silence. C'est une électrique, c'est silencieux. Ajoutez l'insonorisation qui est plutôt bonne. On est très bien isolé du monde extérieur. Notez bien qu'il y a quand même un petit bruit pour les piétons afin de repérer la voiture à l'oreille. Sinon, sur la route, que voulez-vous que je vous dise, il y a un vrai petit tempérament de petite sportive, 204 chevaux virtuellement, et c'est réel, on est plaqué au sol, ce qui n'empêche pas d'enchaîner les lacets, enfin, on est vraiment très à l'aise. Sur les petites routes de Méditerranée, c'était parfait. Sans compter que, malgré son petit 1,7 tonne, eh ben, elle reste collée à la route, c'est impressionnant, tout comme le système de freinage, qui est extrêmement performant. Il en résulte un comportement sportif et une impressionnante sensation de sécurité. En ville, elle se comporte comme un petit poisson dans l'eau. Enfin, pas si petit quand même, ça reste un SUV compact, mais un SUV. Elle se fond littéralement dans la circulation urbaine, c'est un véritable délice. Ça va pas rendre plus agréable les bouchons, mais en tout cas plus facile à vivre. Au final, cette Kia est une excellente voiture électrique. C'est ce que doit être une voiture électrique aujourd'hui. Routière, capable de faire de la ville, confortable. Je ne reste pas bloqué sur la jauge d'autonomie et le tarif est très raisonnable. Donc, le SUV compact électrique de référence aujourd'hui.